de Néhémie. Néhémie, c'est dans l'Ancien Testament, si vous n'êtes pas au courant. Et le titre général pour cette série est simplement « Rebondir pour reconstruire ».« Rebondir pour reconstruire ». Et aujourd'hui, c'est le deuxième message, donc le chapitre 2. Ce sera un total de 6 messages, d'accord ? Et aujourd'hui, j'ai intitulé mon message « Le courage prodigieux de Néhémie ». Le courage prodigieux de Néhémie. Alors c'est vrai, quand j'ai donné ce titre à mon message, je me suis dit « Tiens, il faudrait peut-être définir ce qu'est le courage ». Alors j'ai regardé dans le dictionnaire, d'accord ? Le dictionnaire dit ceci, « Courage, la capacité de faire quelque chose qui nous fait peur. » La capacité de faire quelque chose qui nous fait peur. Alors si je me dis, oui mais alors c'est quoi le courage chrétien ? Est-ce qu'il y a une différence entre le courage et le courage chrétien ? Alors le courage chrétien, c'est une définition que j'aime bien, c'est la volonté de faire ce qui est juste, quoi qu'en soit le prix à payer, car nous savons que Dieu nous aidera et nous guidera et qu'il bénira d'une manière ou une autre cette démarche d'obéissance. C'est d'oser faire ce qui est juste. Alors, un des plus bels exemples de courage, avant d'arriver à celui-ci de Néhémie, est peut-être celui d'Esther. Je ne sais pas si vous connaissez la petite histoire d'Esther, incroyable. Esther était juive. Elle venait d'être couronnée reine d'Assyrie. Et un jour, elle apprend un complot contre les Juifs par Haman, le premier ministre, qui veut purement et simplement l'extermination des Juifs dans le pays. Et donc, elle voulait aller parler au roi. Mais le problème, c'est que dans Esther 4 et le verset 11, il est dit ceci, « Tous les serviteurs du roi et le peuple des provinces du roi savent qu'il existe une loi portant peine de mort contre quiconque homme ou femme entre chez leur roi dans la cour intérieure sans avoir été appelé. » Donc il y avait une loi qui disait que si tu rentrais dans la cour du roi sans avoir été au préalable invité, peine de mort. Et alors Mardochée, son oncle, lui dit « Écoute, tu dois aller parler au roi parce que ça va être l'extermination des Juifs. » Alors elle a peur parce que le roi ne l'a pas invité de venir dans sa cour. Et alors Mardochée lui dit dans verset 14 du chapitre 5 « Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté ?» lui dit « Écoute, tu es reine pour une raison très spécifique, peut-être pour ce jour-ci. » Et alors, voici sa réponse. Esther envoyait dire à Mardochée « Va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni le jour. Moi aussi je jeûnerai, de même avec mes servantes. Puis, j'entrerai chez le roi malgré la loi et si je dois périr, je périrai. » Voilà ce qu'elle dit. Bienvenue, mesdames et messieurs, au courage. Le courage, c'est de faire ce qui est juste, même s'il y a un immense prix à payer. La volonté de faire ce qui est juste, quoi qu'il soit le prix. Jean-Baptiste a fait ce qui est juste. Il a confronté le roi Hérode de son adultère et il a payé le prix fort. Il s'est fait décapiter. Donc parfois, il y a un prix très, très fort à payer pour faire ce qui est juste. Alors, un des autres exemples merveilleux dans la Bible du courage, c'est l'histoire de Néhémie. Ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, juste pour ceux qui n'étaient pas là dimanche dernier, quelques mots de révision. Le contexte de Néhémie. Dieu avait promis, vous vous rappelez, que si Israël lui obéissait, il les bénirait en tant que nation. Mais si Israël ne lui bénissait pas, alors il les jugerait en les faisant déporter en captivité. Deutéronome 28. Alors ils ont continué à pécher, et c'est précisément ce qui s'est passé. Le royaume fut en premier divisé en 2 parties en 931 avant Jésus-Christ. Israël au nord, Juda dans le sud. Puis en 722, Israël a été envahi et déporté par les Assyriens. Et en 586 avant Jésus-Christ, c'était au tour de Juda d'être envahi et déporté par les Babyloniens. Et ceci a commencé une période de 70 ans, prophétisée à l'année prête par le prophète Jérémie au chapitre 25.
Alors, au fur et à mesure que tous ces Juifs en Babylonie voyaient le jour des 70 ans s'approcher, eh bien, il y a eu un grand désir de retourner après ces 70 ans dans le pays d'origine, en Israël. Il y a eu trois grands retours. En 538, le retour avec Zorobabel. Ensuite, en 458, un retour sous Esdras. Et ensuite, en 444 avant Jésus-Christ, un retour sous Néhémie. Ça, c'est notre histoire, où Néhémie va retourner à Jérusalem pour reconstruire le mur. Esdras avait déjà reconstruit le temple, maintenant il manquait le mur qui était écroulé. Alors, on a réexaminé dimanche dernier la réaction de Néhémie lorsqu'il entend la description de l'état de ruine de la ville de Jérusalem et surtout du mur autour de la ville. Rappelez-vous qu'il était échanson du roi Artaxerxès, roi des Perses. Il habite dans la ville de Suse. Alors je crois que j'ai deux photos ici pour vous montrer de quoi avait l'air Suse. Voilà, donc ça c'est une reconstitution. C'est comme ça qu'on pense que Suse, l'impression que, enfin, à quoi elle avait l'air. Et ça c'est les ruines aujourd'hui de Suse, d'accord? Donc c'est tout à fait historique et c'est ce que j'aime avec la Bible, au fait. La Bible c'est vraiment historique. Néhémie a existé dans une capitale avec des rois, à une date, tout est historiquement vérifiable, d'accord? Alors on a vu aussi que Néhémie était probablement né en Suse, son père juif Acalia, lui avait probablement été déporté par Nebuchadnezzar. Alors on a vu la semaine dernière que lorsqu'il a appris la nouvelle comme quoi la ville était en ruine, il a fait cinq choses, il a réagi de cinq manières. Premièrement, il a enquêté. Deuxièmement, il a écouté. Troisièmement, il a pleuré. Quatrièmement, il a prié. Et cinquièmement, et ça c'est le côté que j'ai beaucoup aimé, il s'est proposé. Il a dit, voilà, Seigneur, écoute, il y a un problème. Le problème, c'est que cette ville est en ruine. Je suis en train de prier pour une solution et soudainement, il réalise que c'est peut-être lui la solution à ce problème, qu'il était en fait la réponse à sa propre prière. Et donc, il se propose. Il dit, voilà, je ne suis peut-être pas très qualifié, je ne m'y connais rien en maçonnerie, je ne m'y connais rien en tout ça, mais ce n'est pas grave, j'y vais, j'essaie, j'attaque. Et il y a des risques, beaucoup de risques, ça on le verra même aujourd'hui. Mais il devient la réponse à sa propre prière. Et ça, ça amène au chapitre 2, aujourd'hui, chapitre 2, nos textes de ce matin. Alors, un peu comme Esther, Néhémie va se retrouver devant le roi, Artaxerxès, contraint de répondre à la question du roi pour lui révéler ses projets. Et en même temps, il doit avoir le courage de demander la permission au roi de pouvoir y aller. Alors oui, le chapitre 2 nous parle de courage. Un courage motivé par un désir d'honorer Dieu et son nom, car la ruine de Jérusalem, on l'a appris dimanche dernier, était une opprobre au nom de Dieu. Opprobre, vraiment une honte vis-à-vis de Dieu et sa gloire. Donc, Néhémie, dans ce chapitre 2, nous allons voir le courage spirituel de Néhémie qui se manifeste en six manières surprenantes. D'accord ? Donc, on va voir ces six manières que son courage se manifeste. Numéro 1. Néhémie a le courage de patienter. Vous dites quoi ? Oui, courageux de patienter. Regardez le verset 1. Nous sommes dans Néhémie, chapitre 2, et le verset 1. « Au même mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. » Alors, citons la date. Le mois juif de Nissan était mi-mars à mi-avril, cela veut dire qu'une période, et ça c'est intéressant entre le chapitre 1 et le chapitre 2, une période de 4 mois s'était écoulée depuis que Néhémie avait eu la mauvaise nouvelle de l'état délabré de Jérusalem à ce moment-ci. Donc il apprend que Jérusalem va mal, il commence à prier et jeûner pendant 4 mois, et là on arrive au chapitre 2, verset 1. Alors écoutez, 4 mois c'est très long quand vous pensez qu'une situation est urgente. C'est très long. Et qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 4 mois ? Ben, il a certainement, selon le verset 1, chapitre 1, prié et jeûné pour lui et pour la situation. Et il attend le moment opportun pour agir. Et je crois que c'est déjà là la première leçon du texte. La prière n'est jamais inutile. Est-ce que vous avez déjà prié à Dieu et vous avez l'impression qu'il ne vous entend pas, mais qu'il ne répond pas, que Dieu est sourd et qu'il ne répond pas quand et comme nous le voulons? Eh bien, mes amis, on apprend ici qu'il faut être patient avec Dieu. Dieu attend parfois de la persévérance de notre part dans la prière,
Mais aussi, parfois, il y a des choses que Dieu doit tout simplement organiser avant qu'il puisse répondre à la requête de la manière qu'il veut. Et on va le voir dans quelques instants. Alors c'est intéressant, dans le verset 1 encore, « Comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je ne l'avais paru triste en sa présence. » Donc ce jour-là, Néhémie fait son travail comme il le fait tous les jours. Il goûte le vin du roi. Vous dites, mais pourquoi? Ben oui, parce qu'il y a, vous savez, quand vous êtes roi, il y a beaucoup de gens qui aimeraient vous assassiner. Et une des manières, c'est de mettre du poison dans sa nourriture ou dans son vin. Donc, l'échanson, c'était le privilégié qui devait goûter la nourriture et le vin du roi. Et si lui meurt, le roi réalise, ah, peut-être je ne devrais pas manger ça. D'accord? Ça, c'était son job. Imaginez ce job. C'était son job. Et ce que je trouve absolument incroyable, c'est que le texte nous dit qu'il n'avait jamais paru triste en sa présence, jamais. Tu sais que chaque jour, c'est peut-être ton dernier jour. Et il n'a jamais paru triste, ni une fois. Et là, je pense que beaucoup de gens ont quelque chose à apprendre de Néhémie. La joie, écoutez bien ce que je veux dire, la joie est un choix. Ça rime en plus, d'accord? La joie est un choix. Une attitude positive et plaisante n'est pas une option au travail. Je vous garantis que si vous allez au travail régulièrement grincheux, tôt ou tard, ça va mal se passer. Moi, je trouve étonnant que Néhémie n'avait jamais paru triste devant le roi, jamais une fois. Incroyable. Mais dites, mais pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il devait toujours être joyeux? Eh bien, les monarques de l'époque étaient protégés de tout ce qui pouvait les rendre tristes. Même aussi une allure triste révélerait une possible insatisfaction avec le roi. Et cela n'était pas une option si tu voulais garder ton travail, voire garder ta vie. Donc, il a toujours été heureux, sauf ce jour-là. Ce jour-là, les choses étaient différentes. Malgré toute sa bonne volonté, Néhémie ne pouvait pas cacher sa tristesse, ce que le roi a tout de suite remarqué. Alors, c'est important de savoir que ce n'est pas un problème d'attitude ici. Ce n'est pas du tout un problème d'attitude, c'est un problème de tristesse, voire de deuil. Il est en deuil pour la ville qu'il aime, la ville de Jérusalem. Et ça m'a fait penser à Proverbe 15, 13, qui dit « Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. » Et bien ce jour-là, il avait tout simplement l'esprit abattu. On arrive au verset 2 et 3, le roi me dit « Mais pourquoi as-tu... mauvais visage. Tu n'es pourtant pas malade. Ce ne peut être qu'un chagrin de cœur. » Alors bien sûr, le roi constate chez lui un problème. Il a mauvais visage. Mais il sait qu'il n'était pas malade, donc apparemment il est perspicace. Il connaît très bien Néhémie. Ils passent beaucoup de temps ensemble. Il sait très bien qu'il n'est pas malade. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est que Dieu est déjà en train d'utiliser le roi Artaxerxès sans qu'il le sache. Dans Proverbe 21:1, il est dit ceci, « Le cœur du roi est un courant d'eau dans la main de l'Éternel. Il l'incline partout où il veut. » C'est un verset incroyable. Vous savez, quand on voit des leaders dans le monde et on se dit « Aïe, 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 quelle catastrophe !» Ne doutez pas le fait que Dieu contrôle toutes ces choses. Et il peut contrôler le cœur d'un roi comme il veut, même les rois qui sont mauvais. Oui. Oui, par exemple, on sait très bien que Dieu a utilisé Nebuchadnezzar, qui est un très mauvais roi, pour venir juger Israël. Oui, Dieu utilise des mauvais rois. Dans verset 5, il va appeler tout à l'heure Dieu le Dieu des cieux. Et dans 2 Chroniques 26, il est dit « Éternel, Dieu de nos pères, n'es-tu pas le Dieu des cieux? Et n'est-ce pas toi qui domines sur tous les royaumes des nations ?» Voyez-vous, Dieu il domine sur tous les royaumes des nations, sur tous les rois, inclus celui-ci. Mais il n'en est pas conscient. Alors maintenant, le roi vient lui parler. Alors là, on lit que Néhémie dit « Je fus saisi d'une grande crainte. » « Je fus saisi d'une grande crainte », verset 2. Pourquoi ? Parce qu'il savait que le roi avait tout pouvoir sur lui. Il savait qu'il n'avait pas le droit d'être triste en sa présence. Et surtout, il savait qu'il maintenant, il devait répondre au roi. Comment donc allait-il articuler son problème? Comment allait-il formuler sa requête? Et en plus, il avait un immense défi, Néhémie, parce que ce même roi, Artaxerxès, avait fait stopper la reconstruction de Jérusalem dans Esdras 4, 21. Donc c'est un décret écrit
Il a dit ceci, il avait écrit ceci, Esdras 4, 21, « En conséquence, ordonnez de faire cesser les travaux de ces gens afin que cette ville ne se rebâtisse point avant une autorisation de ma part. » Donc il avait fait stopper, pour les problèmes qu'il y avait sur place, la reconstruction de Jérusalem. Alors écoutez, vous êtes Néhémie, vous le savez ça. Et maintenant vous allez demander à ce roi de changer son décret. Non mais franchement, tu vas demander au roi de changer son décret, écoutez franchement, moi j'appelle ça presque suicidaire. C'est toi qui dis au roi ce qu'il faut faire. Non mais c'est un peu gonflé, vous ne trouvez pas? Il allait mettre sa vie en péril. Il lui faut une très grosse dose de courage. Alors j'aimerais bien que vous rappeliez de ceci. Nous allons voir dans la réponse de Néhémie que pendant les 4 mois de prière, il avait parfaitement préparé sa réponse. Il était prêt pour ce moment. Il ne savait pas quand le moment allait arriver, mais il était prêt. Il savait qu'il ne pourrait jamais retourner à Jérusalem sans la permission du roi. C'était impossible. N'oublions pas que Néhémie était son échanson. Écoute, tu ne quittes pas ton poste comme ça à l'époque. Tu ne peux pas juste démissionner. Tu ne peux pas juste quitter ton travail. Tu ne peux pas juste poser des vacances. Ce n'est pas comme ça que ça marchait à l'époque. Donc il priait et il priait. Et je pense que Néhémie a tourné les choses dans sa tête de toute manière possible. Mais il était 100% prêt. Mais je pense qu'il avait aussi peur. C'est ce qu'on apprend. Il était plein de crainte, mais il était prêt. Il attendait ce moment opportun. Oui, il savait faire confiance à Dieu, et surtout, il a su attendre, pas précipiter. Il attendait ce moment clé. Il savait que la solution à son problème devait passer par le roi. Alors, au verset 3, « Et je répondis au roi. » Donc le roi lui dit, « Alors, pourquoi tu es triste ?» Maintenant, il répond. Que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Alors, plusieurs choses à noter ici. Premièrement, il honore le roi. Que le roi vive éternellement. Il affirme le roi, il l'affirme, il l'honore. Il voulait que le roi sache qu'il n'y avait pas de problème entre lui et entre eux deux. Ce n'était pas un problème. Il n'y avait pas de problème entre eux. Il honore son maître sans réserve ici. Deux, il évite de mentionner le nom de Jérusalem. C'est intéressant. Il appelle la ville où sont les sépulcres de mes pères, est détruite. Pourquoi? Parce que Jérusalem était une ville de, avait été une ville de rebelles. Mentionner le nom de la ville aurait été politiquement risqué. Ça aurait suscité des souvenirs de rébellion. Donc, il ne dit pas ça. Ce n'est pas un mensonge, c'est simplement malin. La ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite. Et là, il fait appel, troisièmement, au sentiment du roi. Il décrit la ville comme étant la ville où sont les sépulcres de mes pères. Les Perses avaient un immense respect pour les morts. Et Néhémie utilise cela pour influencer le roi. Il dit au roi, je paraphrase aujourd'hui, « Écoutez, roi, imaginez que vos ancêtres soient enterrés dans une ville délabrée et en ruine où leur corps était en danger de pouvoir être déshonoré. Ô roi, qu'est-ce que vous feriez dans ce cas-là? Eh bien, c'est cette ville-là qui est détruite et les portes sont consumées par le feu. » Il est malin, il est très malin, Néhémie. Il se montre être un diplomate doué et un tacticien hors norme. Voyez-vous, la qualité de cet homme ici est sa patience, sa prière et sa préparation. Il a su patienter 4 mois, il a su prier pour la bonne occasion, pour le bon moment où il pourrait parler au roi, et il était prêt quand le roi lui posa la question. Donc, premièrement, il a eu le courage de patienter. Deux. Il a eu le courage de demander, Regardez verset 4. Et le roi me dit, que demandes-tu? Attendez, ça fait 4 mois qu'il attend cette question.
4 mois qu'il attend cette question. Ô roi, que me demande Némi, le roi me dit, que demandes-tu? Alors, je trouve ça trop génial, la première réaction de Némi. Très surprenante. Verset 4. Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priais le Dieu des cieux. Vous savez, c'est la première chose qu'il fait. Là, il est devant le roi. Le roi lui dit, qu'est-ce que tu veux, Némi? Et là, en 2 secondes, il prie. C'est ce que j'appelle des prières SOS. Vous en avez déjà fait? Un paquet, moi, j'en ai déjà fait. Ceci m'arrive parfois lorsque je suis en train de discuter avec quelqu'un où on me pose une question difficile et compliquée et je ne sais pas quoi répondre. Ça vous est déjà arrivé? Alors vous êtes dans votre cœur, vous dites, continue à parler parce que là je ne sais vraiment pas quoi répondre, d'accord? Et là tu dis, Seigneur, s'il te plaît. Alors bien sûr, vous souriez, vous écoutez, mais vous dites, ah, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi une réponse parce que je ne sais pas quoi répondre à cette personne. Et tu espères qu'elle continue à discuter et qu'il va te donner une réponse. Vous avez déjà fait ça? Prière SOS. Voilà ce que Néhémie fait. Alors, il sait ce qu'il va dire, mais il a un peu la trouille. Il a peur. Alors, il fait une prière rapide avant de répondre. N'oublions pas que l'arrière-plan de cette prière SOS de 5 secondes, c'est 4 mois de prière et de jeûne. Alors, il lui dit, Seigneur, donne-moi sagesse. Donne-moi de dire exactement ce que je dois dire, pas plus, pas moins. Et donc après cette prière flash, Néhémie répond, verset 5, « Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse, que je la rebâtisse. » C'est ce qu'il aurait pu répondre. « Écoutez, monsieur le roi, votre décret d'Esdras 4.21 d'arrêter la construction de Jérusalem est complètement nul. » Changez-le, s'il vous plaît. Je ne pense pas que ça aurait bien passé, là. Non, écoutez, c'est un diplomate, ici. Il est diplomate. Non, comment est-ce qu'il répond? Premièrement, il répond avec courtoisie. Si le roi le trouve bon. Il répond avec humilité. Et si ton serviteur lui est agréable? Je suis ton serviteur, vous êtes le roi. Il répond ensuite avec clarté, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Je veux rebâtir la ville. Envoyez-moi là-bas. Et quatrièmement, il répond avec diplomatie, vers la ville des sépulcres de mes pères. Il ne rementionne pas la ville de Jérusalem. Il est tellement prêt ici, Néhémie. Il sait exactement ce qu'il faut dire et ne pas dire. En plus, il connaît très très bien le roi. Et je crois que là, il y a un principe. Comment répondre à nos supérieurs avec courtoisie, avec humilité, avec clarté et avec diplomatie? Voilà ce que nous apprend ceci. Alors regardez la réponse du roi. Verset 6, le roi, auprès duquel la reine était assise, me dit alors, « Combien ton voyage durera-t-il? Quand seras-tu du retour ?» Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Alors là, il y a un petit détail intéressant, il y a la reine. Vous avez vu? Le roi auprès duquel la reine était assise. Alors des détails comme ça, là, qui viennent de nulle part, pour moi sont toujours intrigants. Pourquoi est-ce qu'il mentionne la reine ici? Eh bien, ceci est probablement un banquet privé, car la reine était présente. Et la reine, selon les historiens, est probablement une dame qui s'appelle Damaspia. Mais, nous savons aussi qu'Esther avait remplacé la reine Vashti par le concours de beauté, vous vous rappelez, et devint ainsi l'épouse du roi Assuérus, le père d'Artaxerxès. Donc, Artaxerxès, notre roi, avait un père. La femme de son père était Esther. Cela veut dire que Esther était en fait la belle-mère d'Artaxerxès. Il n'est pas impossible. Pas impossible que donc le témoignage de la reine Esther aurait pu influencer Artaxerxès
ce nom, écoutez, franchement, n'appelez jamais votre enfant par ce nom, c'est un nom très compliqué à prononcer, d'accord? Waouh, Art, allez, on va l'appeler Arthur. Non, je dis n'importe quoi, d'accord? Artaxerxès. Anne-Marie m'a même expliqué la semaine dernière comment il fallait le prononcer, mais je ne crois pas que j'y arrive, d'accord? C'est vraiment compliqué. Artaxerxès. D'accord, j'en suis où là? J'ai complètement perdu mon... Oui, donc voilà, c'était la belle-mère d'Arthur. Non, d'Artaxerxès, d'accord. Et donc... simplement qu'elle a probablement influencé le roi pour être favorable à la requête de Néhémie parce que lui aussi était juif. Voilà ce que j'essaie de dire. Donc, verset 6, le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors « Combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour ? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixerai un temps. » Je lui fixerai un temps. Donc le roi n'avait qu'une question. Tu pars combien de temps ? Combien de temps tu pars ? Il aimait les services de Néhémie, probablement. Il ne voulait pas qu'il s'absente trop longtemps. Alors c'est intéressant, la réponse à cette question n'est pas dans le texte. On ne sait pas. Là, il répond apparemment d'une manière satisfaisante. Mais tenez-vous bien. Néhémie 5, 14. Vous savez combien de temps il est parti ? 5, 14 nous dit ceci. Dès le jour où le roi m'établit leur gouverneur dans le pays de Juda, donc le jour où il est arrivé à Jérusalem et est devenu le gouverneur, depuis la 20e année jusqu'à la 32e année du roi Artaxerxès, pendant 12 ans, ni moi ni mes frères n'avons vécu les revenus du gouverneur. 12 années. 12 ans, il est parti pour faire ce travail. Imaginez que vous demandez à votre patron, écoutez, est-ce que je pourrais prendre une pause là ? J'ai un gros travail que je dois faire. Est-ce que je pourrais partir 12 ans ? C'est exactement ce qu'il fait, c'est quand même marrant. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est que la requête ne s'arrête pas juste au niveau du temps. D'accord ? Il va maintenant formuler une demande plutôt osée au verset 7 et 8. Moi j'ai envie de dire une demande gonflée, humainement parlant. Verset 7, puis je dis au roi. Si le roi trouve bon qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda, et une lettre pour Asaph, garde de la forêt du roi, afin qu'ils me fournissent du bois, de la charpente pour les portes de la citadelle près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. Alors comme j'ai déjà dit, il est archi prêt pour sa réponse, et il sait ce qu'il va lui demander. Il lui demande deux choses. Premièrement, un laissez-passer pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve. Il avait besoin d'une protection, un laissez-passer pour pouvoir voyager à Suse, de Suse à Jérusalem, comme un passeport si vous voulez. Probablement inclus dans cette requête était, selon le chapitre 5, verset 14, le fait qu'il devait être nommé gouverneur ensuite de Jérusalem. Mais alors la deuxième demande au roi, elle est incroyable. Il demande purement et simplement au roi, vous êtes prêts ? De payer la facture. De payer la facture. Verset 8, « Et une lettre pour Asaph, garde de la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville et pour la maison que j'occuperai. » Écoutez mes amis, Néhémie, écoutez ce que je vais dire, était tellement prêt qu'il connaissait même le nom du garde forestier. Il s'appelait Asaph. Il avait fait ses recherches. Il savait qui devait contacter, et il savait exactement combien de bois il lui fallait aussi. Il lui fallait du bois pour les portes de la citadelle. Une citadelle, c'était une sorte d'endroit qui protégeait à côté du temple, le temple. Ensuite, le bois pour aider à la reconstruction du mur, qui inclut des poutres, comme des leviers, mais pour aussi les échafaudages. Et en plus, assez de bois pour construire la maison du gouverneur où il allait habiter. Ce ne serait pas différent qu'un jour, on décide qu'on veut construire une église à Genève. On a trouvé un super terrain, plein en ville, d'accord ? Alors on va voir le maire de Genève. Et on dit, écoutez, bonjour monsieur le maire de Genève, on aimerait une autorisation de construire une nouvelle église sur ce terrain au centre-ville. Et en plus, monsieur le maire, est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, payer la facture ? Et il répond, oui, pas de problème. Imaginez. C'est exactement ce qu'il fait là. C'est ce qu'il fait. Et Artaxerxès dit, ok, je paye tout.
Le roi répondit, verset 8, « me donna ses lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. » Le roi répond oui à tout. Le laissez-passer et le bois. Alors pourquoi est-ce qu'il a dit oui? Le verset 8 ne pourrait pas être plus clair. « Car la bonne main de mon Dieu était sur moi. » Car la bonne main de mon Dieu était sur moi. N'oublions pas que cette entreprise n'est pas qu'une entreprise humaine. Non. Lui donne tout le crédit à Dieu. Comme Esdras, Esdras 7-6 pour la reconstruction du temple, on lit ceci, car Esdras, verset 6, « Cet Esdras vint de Babylone, c'était un scribe versé dans la loi de Moïse, donné par l'Éternel, le Dieu d'Israël, et comme la main de l'Éternel, son Dieu, était sur lui, le roi lui accorda tout ce qu'il avait demandé. » Écoutez, mes amis, nous avons une histoire ici où derrière cette histoire, il y a Dieu qui agit de manière incroyable. Donc, ce courage de Néhémie, premièrement, c'était le courage de patienter. Deuxièmement, le courage de demander. Trois, le courage d'évaluer. Le courage d'évaluer. Le verset 9 nous parle du voyage. « Je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis des lettres, les lettres du roi qui m'avait fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. » Rien n'est dit sur le voyage, par contre j'aimerais vous montrer le plan. Ça vous donne une idée, il va de là, de Suse, jusqu'à là-bas en Jérusalem, d'accord, sur le croissant vert, parce que juste entre le D, il y a un gros désert. Et donc il suivait le Tigris et l'Euphrate, et il montait, il redescendait par le nord. Et donc il part en voyage, environ 2 mois de voyage. On apprend ici que le roi lui avait en plus donné une armée. Une protection militaire pour les protéger des ennemis potentiels en route. Et ces soldats ensuite sont restés à Jérusalem pour protéger la ville pendant qu'ils reconstruisaient le mur. Mais comme toute entreprise, souvent il y a des obstacles, et ça on le voit au verset 10. Néhémie 2 et le verset 10. Sambalat, le horonite, et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir lorsqu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Écoutez, on doit imaginer la taille de cette caravane qui arrive à Jérusalem. Elle devait être massive et impressionnante à voir arriver. Il y avait une armée de cavaliers, je suppose des tonnes de bois. Alors je ne sais pas comment ils ont transporté le bois. Est-ce qu'ils ont transporté en chameau ou en âne, ou il y avait des charrues? Mais j'imagine, je ne sais pas, tout Jérusalem c'est grand. Hein. Et tout le bois qu'il fallait... Pour les maisons, pour le mur, pour les portes, c'est beaucoup de bois. Donc, ils arrivent avec le bois, puis tous les gens, les ouvriers, ça doit être un spectacle étonnant. Et je pense que certains en liesse de joie, « Ouais, trop bien, c'est parti, on va reconstruire Jérusalem, c'est super !» Mais pas tout le monde était heureux. Deux ennemis en particulier, ils étaient ici, n'étaient pas heureux de l'arrivée de Néhémie. Le leader était Sambalat, le horonite de la ville de Beth-Horal, environ 15 km de Jérusalem. On a l'impression que Sambalat avait un poste d'une certaine importance en Samarie, selon le chapitre 4, verset 1 à 4. On verra ça la prochaine fois. Il y a un papyrus éléphantine qui mentionne les fils de Sambalat comme ayant été les gouverneurs de la Samarie en 408. C'est ça que j'aime. C'est de nouveau historique. Tobija, le deuxième, est un ammonite. Et en tant qu'ammonite, Tobija était un ennemi acharné et long terme des Juifs, selon Deutéronome 23, 3 à 4. Il était lié par mariage à des amis de Néhémie, il avait des amis parmi les Juifs, il avait un lien de parenté avec le sacrificateur Eliashib. Il y a un autre ennemi qui apparaîtra au chapitre 4, je crois qu'il est mentionné tout à l'heure, Geshem l'Arabe. Alors c'est quoi leur problème? Pourquoi ils ne sont pas contents? Pourquoi est-ce qu'ils veulent attaquer Néhémie? Eh bien, c'est ce qu'on apprend. Ils eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. C'est simple, ils ne voulaient tout simplement pas voir Jérusalem rebâtie et protégée par un mur, car cela voudrait dire que la Samarie, là où étaient ses ennemis, la Samarie serait maintenant potentiellement menacée par les Juifs.
Voyez-vous, les murs repâtis, ça veut dire que Jérusalem, maintenant, a une sorte de force à part entière, et la Samarie n'est plus le contrôle de tout ça. Donc, ils ne voulaient absolument pas voir ce mur rebâti. Alors, ce qu'on apprend ici, mes amis, et ça, on le voit déjà dans le chapitre 2, c'est que la reconstruction de Jérusalem ne va pas être un jeu d'enfant pour Néhémie. Jusqu'à maintenant, on se dit, mais il y a tout qui va bien pour Néhémie, c'est le top. Ah, tout d'un coup, on réalise, non. Non, non, il y aura des problèmes. Néhémie aura des problèmes. Il y avait des gens mal intentionnés, des ennemis qui ne voulaient absolument pas voir Jérusalem reconstruite. Nous apprenons ici pour l'instant que les ennemis sont là, ils rôdent et qu'ils ne sont pas contents. Je pense que c'est vrai dans tous les domaines de la vie. Il y aura toujours des obstacles, quel que soit le bien fondé d'une entreprise et même celle inspirée de Dieu. Satan, il est décrit dans Apocalypse 12:10 comme l'accusateur des frères. Il y aura des obstacles, point à la ligne, à la vie. On reviendra plus tard sur ces personnages. Alors là, au verset 11, il arrive à Jérusalem, et là, il y a un moment de repos. J'arrivais à Jérusalem, et j'y passais 3 jours. Mais il est fatigué. Après 2 mois de voyage, il est fatigué, il prend du temps pour se reposer, certainement pour réfléchir, pour encore prier. Vous savez, un bon leader ne fonce pas dans son travail sans une très bonne préparation. Il faut réfléchir, il faut être frais, il faut être bien reposé, et il faut faire un audit. Il veut comprendre exactement quelle est la situation de cette ville, et donc c'est ce qu'on voit à partir du verset 12, l'évaluation. L'évaluation. Après quoi, je me levais pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Alors c'est intéressant de nouveau, hein, et on voit beaucoup de marques de bons leaders chez Néhémie. Les leaders sont souvent debout pendant que les autres dorment. Ils travaillent souvent lorsque les autres se reposent. Néhémie ne voulait pas que ses ennemis sachent ce qu'il faisait. Donc, il décide de faire une évaluation des ruines de Jérusalem la nuit. Et si vous connaissez Israël, les jours de pleine lune, c'est presque comme un soleil. C'est un bon leader, il sait quand il faut planifier, lorsqu'il faut parler, lorsqu'il ne faut pas parler, lorsqu'il faut travailler, lorsqu'il faut se reposer, il sait. Pour l'instant, il garde pour lui-même ce que son Dieu lui avait mis sur le cœur de faire pour Jérusalem. Alors je vais vous montrer un plan, c'est le plan du mur. Alors je ne sais pas si vous voyez très bien. Alors il est en anglais, excusez-moi. Alors le mur en bleu, c'est le mur de Néhémie. Le plus grand mur, c'est le mur d'aujourd'hui. D'accord ? Ça vous montre un petit peu la différence entre aujourd'hui et à l'époque. Et ce qu'on va voir dans le texte, il y avait 3 portes qui sont mentionnées dans le texte. La première, la porte de la vallée, ensuite la porte du fumier, en anglais c'est Dung Gate, et ensuite la porte de la source, Fountain Gate en anglais, d'accord. Je vais vous lire les versets 12, écoutez, après quoi, tu peux laisser le plan, hein. Après quoi je me levais pendant la nuit avec quelques hommes sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait que moi, d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Je sortis de la nuit par la porte de la vallée. Donc il est sorti de là. Je me dirigeais vers la source du dragon et vers la porte du fumier, direction de la flèche. Considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passais près de la porte de la source, donc Fountain Gate, de l'étang du roi, il n'y avait point de place par où puis-je passer la bête qui était sous moi. Donc il y avait tellement de déchets, de gros rochers, qu'il ne pouvait plus passer avec sa bête. Je montais de nuit par le torrent, et je considérais encore la muraille, puis je rentrais par la porte de la vallée. Et je fus ainsi de retour. Donc 2 options, ou bien il a fait tout le tour de la ville, mais il a commencé les 3 portes, ou il a fait demi-tour pour retourner d'où il était parti. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais jusqu'au moment. Je ne savais rien dit aux juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Donc il voit pour lui-même exactement l'état de la ville que son frère lui avait décrit au chapitre 1. La réalité est maintenant devant lui, indéniable. Il est face à une ville en ruine, mais, un bon leader voit la solution avant les autres. Il voit le potentiel
après la ruine, le potentiel de la construction. Il voit au-delà du mal et il voit la bonne nouvelle derrière le problème. Un bon leader voit de manière lucide les problèmes et les défis, mais aussi les solutions. Un leader sait où il va, du moins où il veut aller. Il examine de manière juste et limpide les obstacles, il réfléchit aux solutions et il entreprend un plan d'action. Pour un bon leader, un grave problème devient un merveilleux potentiel. Oui, il ne faut pas oublier ça, un problème peut devenir un immense potentiel. Donc, il a eu le courage de patienter, de demander, d'évaluer, et là on touche à la fin, gentiment, le courage d'inspirer. Verset 17, « Les magistrats ignoraient où j'étais et ce que je faisais. Jusqu'à ce moment, je n'avais rien dit aux juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des affaires. Je leur dis alors, « Vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'opprobre. » Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Ils dirent, « Levons-nous et rebâtissons. » Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Voyez-vous, jusqu'à maintenant, il avait gardé ses idées à lui-même. Mais le moment était venu pour réunir tout le monde et leur dire, « Voici mon plan. » Alors le voilà. Numéro un, il explique le problème. Voilà comment il fait pour les motiver. Peut-être ça nous aide. Comment on motive les gens? Premièrement, quel est le problème? La ville est en ruine. Ah, d'accord, c'est clair. Deux, expliquer la solution. La solution. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem. La solution, c'est quoi? C'est nous. Nous devons rebâtir la muraille de Jérusalem. Trois, j'aime beaucoup ceci, comment fait-il pour les motiver? Il s'inclut dans la solution. Ce n'est pas juste le leader qui va aller regarder le travail. Il y va, il bosse avec eux. Rebâtissons le mur ensemble. Il se propose bien sûr comme leader. Quatre, c'est super, il explique la récompense. La récompense, et nous ne serons plus dans l'opprobre. Une fois que les murs seront construits, il n'y aura plus de honte. Le temple sera protégé. 5. Il explique la providence de Dieu à son égard. Et je leur racontais comment la bonne main de Dieu avait été sur moi. Il dit, écoutez, les gars, c'est une entreprise de Dieu, c'est pas moi, c'est pas moi, Néhémie. Alors Dieu l'utilise, mais c'est une entreprise de Dieu. Et Dieu est là. Et la providence de Dieu a déjà agi, on l'a déjà vu jusqu'ici avec tout le bois et tout le reste. C'est dingue qu'on soit là. Il explique sixièmement la providence de Dieu même sur le roi et quelles paroles le roi m'avait adressées. Il dit, écoutez, mais regardez en arrière, c'est incroyable ce que Dieu a fait. Dieu a suscité le fait qu'on soit là aujourd'hui, même le roi. Il a travaillé dans le roi. Et le résultat, verset 18, ils dirent, regardez-moi, levons-nous et rebâtissons. Et ils se fortifièrent dans cette bonne résolution. Après ce court message, tout le monde se range derrière Néhémie. Et ils ont décidé de même risquer leur vie pour le faire. Apparemment, Néhémie est un excellent leader. Les troupes sont motivées. Donc, il a eu le courage de patienter, de demander, d'évaluer, d'inspirer. 5. Il a le courage de résister. Ah, malheureusement, regardez verset 19. Sambalat, le horonite, Tobija, le serviteur ammonite, et Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Et ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Voyez-vous, aussitôt que le plan d'action est mis en œuvre, Sambalat est informé. Et là, ça commence avec des attaques verbales. Premièrement, moquerie. Certains ont appelé la moquerie l'attaque de ceux qui n'ont rien de juste à dire. Ils se moquent d'eux, ils rient. Deuxièmement, mépris, dédain, colère. Troisièmement, sédition. Ils accusent Néhémie faussement de tentative de révolte contre le roi. Ils veulent décourager ces gens, c'est tout. Et nous verrons dans les chapitres 4 à 7, les armes que les ennemis ont utilisées pour tenter de décourager Néhémie et comment il fait pour les vaincre. Pour l'instant, les attaques ne sont qu'au niveau verbal. Ce qu'il faut noter, ça je trouve intéressant, c'est que face à ces insultes, à ces moqueries, à ces fausses accusations, Néhémie ne se plie pas à eux. Il résiste. Il est tellement convaincu que l'entreprise de rebâtir Jérusalem est de Dieu que rien ne va l'arrêter. Et c'est justement comme cela qu'il leur répond.
Verset 20, je leur fis cette réponse, c'est Némi qui parle, le Dieu des cieux nous donnera le succès. C'est comme ça qu'il répond. Non, c'est une entreprise de Dieu, Dieu nous donnera le succès. Écoutez mes amis, ça c'est le courage. C'est le courage. C'est quoi le courage chrétien? C'est la volonté de faire ce qui est juste, quoi qu'en soit le prix à payer. Car nous savons que ce que nous faisons est de Dieu et que Dieu nous aidera et nous guidera. Et qu'il bénira d'une manière ou une autre cette démarche d'obéissance. Oui, nous acceptons la critique parce que c'est juste. C'est juste. Si tu es critiqué pour avoir fait ce qui est juste, alors tu l'acceptes et tu bénis l'Éternel comme Némi le fait. Il est convaincu que c'est juste. Donc, Némi a le courage de patienter, de demander, 3 d'évaluer, 4 d'inspirer, 5 de résister et 6, il a le courage de persévérer. C'est le verset 20. Je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera ce succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons, mais vous, vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Alors, quelles étaient les options de réplique pour Néhémie face à ses ennemis? Il aurait pu les ignorer. Mais ce n'est pas ce qu'il a fait. Parfois, c'est ce qu'il faut faire, mais pas toujours. Dans Proverbe 26,4, il est dit ceci, « Ne réponds pas à l'insensé selon sa folie, de peur que tu ne lui ressembles toi-même. » Donc parfois, il ne faut pas répondre. Parfois, il faut ignorer. Mais parfois, il ne faut pas faire ça. Il faut répondre. Ici, les ignorer auraient pu leur donner plus de pouvoir. Deuxièmement, il aurait pu aussi négocier avec eux. Mais ce n'est pas non plus ce qu'il fait ici. Débattre et négocier aurait aussi pu donner à ces hommes une réelle plateforme dans cette communauté où ils étaient déjà connus, aurait pu être nuisible pour Néhémie. Après tout, Néhémie était le gouverneur de la ville et il avait une autorité du roi concernant sa position. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il ne les ignore pas, il ne négocie pas avec eux, qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, Néhémie choisit de répondre à Sanballat et à Tobija avec clarté, comme quoi ils ont tout simplement tort et que le projet ne changera pas le cap à cause d'eux. Non seulement Néhémie se défend, mais il répond de manière archi-claire. Il dit, écoutez, nous irons jusqu'au bout de cette entreprise, point à la ligne. C'est tout ce qu'il dit ici. Nous ne nous arrêterons pas. Mais vous dites, mais pourquoi une telle confiance? Eh bien, parce qu'il savait que ce projet était de Dieu. Il avait déjà parlé de ses projets. Il avait déjà parlé de la providence de Dieu dans sa vie. Il avait déjà parlé de la providence de Dieu dans la vie du roi. Que le roi était derrière le projet. Il a aussi vu la providence de Dieu dans tout ce peuple, tous les gens qui étaient là pour vouloir reconstruire la ville. Ils avaient tous dit oui, on y va. Après son speech de motivation. Mais il leur dit à eux, mais vous, non. Sanballat et Tobija, non. Pas plus d'informations que cela. Il leur dit tout simplement, vous avez tort. Nous, on continue. Oui, malgré les obstacles qui commençaient à se dresser devant lui, Néhémie a eu le courage d'annoncer les couleurs et de persévérer. Et ce qu'on va voir, c'est que les attaques vont s'empirer. Mais rien n'arrêtera Néhémie. Il va continuer d'avancer. Voilà ce que fait un bon leader. Je conclue. Vous vous rappelez Jean-Baptiste? Jean-Baptiste. Un de mes hommes les préférés de toute la Bible. Vous vous rappelez, il baptisait au bord du Jourdan et tout Jérusalem venait à lui. Il disait, repentez-vous car le royaume de Dieu est là. Et les gens venaient, se repentaient, il baptisait ces gens et les gens sont venus, mais des centaines, des milliers de gens, il a un monstre ministère. Et c'est lui qui a baptisé Jésus, vous vous rappelez. Mais un jour, il était face au roi Hérode. Et le roi Hérode avait piqué la femme de son frère. Et il vivait en adultère. Et Jean-Baptiste a vu cette situation, puis il a dit, c'est pas juste. Alors, qu'est-ce qu'il allait faire? Est-ce que tu es assez gonflé pour aller confronter le roi dans son adultère? En plus, sachant que tu as un ministère florissant.
il a décidé de faire ce qui est juste. Mais comment tu sais que c'est juste ? Ben, c'est pas compliqué. Vous allez aux 10 commandements, et le 6e commandement qui dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Il s'est dit, ben, je vais aller dire ça au roi. Tu es dans le péché. Courageux. Ça, c'est du courage. C'était juste. C'était juste. Je pense qu'il avait très, très, très peur ce jour-là, parce que le roi avait tous les pouvoirs. Alors il l'a fait. Et le prix qu'il a payé ? Sa vie. Décapité. Décapité. Mais, vous savez ce que Jésus a dit de lui ? Écoutez bien. Matthieu 11, 11. Je vous le dis en vérité. Parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Jésus a dit que Jean-Baptiste était l'homme le plus grand de tous les temps. Parce qu'il a fait ce qui est juste. Il a payé très très cher ce qu'il a fait. Ben Néhémie aussi. Vous dites, mais comment il savait que c'était de Dieu ? Ben on a regardé Jérémie 25 la dernière fois, vous vous rappelez ? Après 70 ans, vous rentrerez dans votre pays. Les 70 ans étaient aboutis. Il savait qu'il y avait un retour qui devait se faire. Et les circonstances ont montré que c'était lui qui devait mener ce retour. Bible en main. La leçon. La leçon. Consultons la parole de Dieu pour voir ce qui est juste. Et si c'est juste, faisons-le. Et n'ayons pas peur. Soyons courageux. Soyons prêts à payer le prix. Voilà la leçon. Soyons comme Jean-Baptiste, comme Esther, comme Néhémie et comme Jésus. Parce que Jésus savait qu'il devait aller à la croix. Parce que c'était juste. C'était la volonté de son Père. Mais il a prié dans le jardin. Seigneur, si tu peux ôter cette coupe, je n'ai pas envie de la boire humainement. Il a dit, pas ma volonté, ta volonté. Et lui a fait ce qui est juste aussi. Il a payé le prix fort pour notre salut. Waouh ! Donc, voici mes amis la leçon. Prenons la parole de Dieu. Agissons avec justesse, droiture. Faisons ce qui est juste. Soyons courageux. N'ayons pas peur. Soyons prêts à payer le prix. Amen. Ô Seigneur, quel beau chapitre. Quelle incroyable histoire. Quel homme courageux. Seigneur, aide-nous à être courageux. Seigneur, la Bible est tellement claire sur tellement de choses dans la vie, Seigneur. Aide-nous à être limpides devant cette parole, Seigneur. Aide-nous à être courageux. Seigneur, nous nous réjouissons pour la suite de cette histoire et voir comment tu as donné à Néhémie un immense succès dans son entreprise. Seigneur, c'est toi qui décides. Jean-Baptiste était un immense succès, même s'il a dû payer le prix fort. Jésus était un immense succès, même s'il a dû payer le prix fort. Seigneur, apprends-nous à être courageux. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus. Amen.